Si tu rêves de devenir riche et célèbre, genre David Guetta, t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Si tu aimes être pauvre, tu peux quand même regarder. Mais t'es pas à l'abri de finir pété de thunes. Je dis ça, je dis rien. Let's go. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le scratch avec la bouche. Et pour ça, je vais vous apprendre trois grosses techniques. Bande de petits vénards. Première technique, le crab scratch. Deuxième technique, kirikou. Troisième technique, le scratch vocal. Ça peut servir à imiter le son de la tante Quechua. Assurer un max avec les meufs en faisant croire que t'as une cafetière italienne. Être un vengeur masqué. Et si tu fais de la chanson française et que t'es chanteur et qu'un jour t'es en concert et t'as oublié ton texte, ça peut te sauver la vie, mon gars. Aujourd'hui, c'est vraiment cool. Je suis vraiment. Ah ah ah, yeah, allez tous avec moi. Bon, c'est bien gentil tout ça, tu parles, mais tu nous expliques comment on fait, peut-être là? Ok, let's go! Première technique, le crab scratch. Pour commencer, il faut d'abord mettre son doigt devant sa bouche comme si on disait chut. Une fois qu'on a ça, on est sur la bonne position, on va devoir aspirer de l'air et dire comme si on voyait quelqu'un devant nous se faire super mal. Comme s'il y a une nana hyper canon qui passe devant toi. Comme s'il y a un truc dégueulasse. Le secret, c'est d'ouvrir la bouche. Plus on ouvre la bouche, plus le son y sort. Regarde, bouche fermée. Bouche ouverte. Tu vois le plan? Y'a pas de l'info là? Bim! Une fois qu'on a ça, on va essayer de dire tucu 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 en aspirant. Ça fait ça. Tucu 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 tucu. On va passer dans une position qui va nous permettre d'avoir le micro en main. Malin le lynx. Avec la main qui fait un angle à 90 degrés. Tu vois, il y a le pouce qui remonte comme ça. Et bon, on va venir essayer d'aspirer ici. Là, j'ai dit tucu 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 tucu. Deuxième technique, la technique de kirikou. Alors, on va commencer par faire un bruit de tigre. Mais dis donc, tu vois plus en soirée, toi. Une fois qu'on a ça, on va dire kiwi. Une fois qu'on a kiwi, on va dire kiwiku. Oui, effectivement, c'est pas kiriku. Je sais, je vous ai menti. Mentir, c'est mal. Ça fait ça. On peut en inventer. On enchaîne avec la dernière technique, la technique du scratch vocal. On va essayer de prendre des phrases et de les scratcher. Si par exemple le mot il commence par A, ça fait Awa, Awa, Awa. Disons que la phrase c'est abonne-toi. Clic, clic, clic. Ça fait Awa, Awa, abonne-toi. Et vu que le vinyle on lui met un coup et que c'est un petit peu rapide, on va plus le faire dans les aigus. Ça passe de Awa, Awa à Awa, Awa. Tu vois? Si le mot c'est un I, ça fait I, 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 I. Abonne-toi, chaîne YouTube, mon gars. Et quoi de mieux que s'entraîner sur une instru? DJ, balance-nous la prod, bro! Ah ouais, c'est vrai que je suis tout seul, j'avais oublié. En même temps, c'est l'intérêt du truc, je vais la faire moi-même, la prod. Old school, mon gars! Ok, je fais un truc et tu le refais. Ça fait ça. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, vous mettez un like, vous laissez un petit commentaire pour me dire si vous y arrivez, si vous y arrivez pas. Et
abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, la vie c'est quoi? Un poil de bite, un poil de box, bam! Un poil de bite box. Let's go.